Shalom, parashat Korach cette semaine, alors qu'hier était Rosh Chodesh Tammuz. Et alors évidemment, on se pose la question de la raison de la controverse de Korach avec Moshe Rabbeinu. Un homme aussi important, aussi sage, aussi érudit, comment a-t-il pu tomber dans une réalité aussi basse? Et alors Rashi va nous poser deux questions qui sont en son nom. La première, si un talit est entièrement trélet, y a-t-il besoin de mettre un fil de bleu azuré? Une maison remplie de livres, est-il nécessaire de mettre une mezouza? Au bout du compte, ce qui est intéressant, c'est que la question qu'il pose sur le trélet, sur ce bleu azuré, il aurait pu poser la question inverse. Est-ce qu'un tissu qui est entièrement blanc a-t-il besoin d'un trélet? Cette question-là, il ne l'a pas posée. C'est-à-dire que ce qui se cache derrière cette question, c'est peut-on arriver au bout du compte à la fin? Peut-on arriver à la finalité? Peut-on arriver à l'immobilité? Et c'est une réelle problématique. La Torah est une parole divine, éternelle, absolue. Personne n'est habilité à la recevoir, si ce n'est Moshe Rabbeinu, qui porte en lui ce sceau, justement, d'esprit éclairé, d'esprit supérieur. Et dans cet engagement, eh bien, au bout du compte, il arrive à retransmettre cette Torah au peuple juif. Korach, dont la nature profonde est d'être d'abord et avant tout en controverse, il vient au bout du compte en controverse avec cette idée même de la Torah. Si on transforme la Torah en dimension technique, en livre uniquement impersonnel qui nous livre des décrets, alors que Dieu nous en préserve, nous perdons par là même ce rapport à la Torah. Quand Korach pose la question du talit qui serait entièrement techelet, comprenez techelet comme tachlit. Peut-on au bout du compte arriver à la finalité? La Torah, ce qu'elle a justement d'éternel, c'est qu'elle est immuable. Elle n'est pas transmise à nous immobile, mais elle est immuable. Un homme, par essence, est constamment muable et aussi mobile. Cette réalité à laquelle nous aspirons, ce n'est pas l'immobilité, mais c'est l'immuabilité. À ce moment-là, le fait que Korach puisse venir en controverse avec Moshe Rabbeinu prouve que le peuple juif n'est pas encore habilité, d'abord on n'est pas encore en Eretz Israël à ce moment-là, que le peuple n'est pas habilité encore à cette immuabilité. Il n'a pas gommé ces scories qui étaient encore présentes en Égypte. L'Égypte, l'exemple même d'une réalité qui se veut immobile. Mais ne confondons pas, je répète, immobilité avec immuabilité. L'Égypte se voulait être dans une réalité parfaite dans ce monde. C'est l'essence même de l'Égypte. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vrai. Mais tout est nouveau au-dessus du soleil. Et la dimension qu'on peut trouver dans l'humanité, c'est d'arriver au bout du compte à une, ce qu'ils avons appelé une forme de sérénité. Aujourd'hui, les sites internet, aujourd'hui, les organismes sont pleins d'œuvres qui proposent des coachings, qui proposent au bout du compte comment se sentir bien. Mais avec quel objectif? Nous courons chez les psychologues qui, au bout du compte, n'ont qu'un seul objectif, c'est que je me trouve bien, je me sente bien avec moi-même. Sans aucune, au bout du compte, aspiration. Sans aucune, au bout du compte, aspiration à cette finalité, à ce projet divin. C'est exactement le plus grand danger qui est inhérent à Korach. On pourrait, quelqu'un qui faute automatiquement, eh bien, il corrige ou non. Mais la faute de Korach était profondément grave parce qu'elle aurait pu nuire au peuple, elle aurait pu empêcher le peuple de continuer à avancer dans sa démarche pour atteindre ce projet. Et c'est pour cela que justement, puisqu'il est tellement en contraire avec la vérité qui doit germer de la terre, donc cette terre va l'avaler. Emet mi'aretz titzmach, il est en contraire avec la vérité. Il aspire au présent à une réalité qui peut-être nous sera clairement acquise dans le futur. Soyons toujours muables, soyons toujours mobiles, pour dynamiques, pour arriver justement à cette immuabilité, ce projet divin, encore une fois, qui va être inhérent à nous dans notre manière de parler, dans notre manière d'être, dans notre manière d'agir, dans la manière de respirer, afin que cela justement soit pleinement une bénédiction pour le peuple juif et pour l'humanité. Shabbat Shalom.